Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 32 évidemment. Installez-vous confortablement, un casque ou des écouteurs. Plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. 4K 60 FPS le minimum. Bonne année 2023. Voilà, je le dirai, parce que j'ai pas assuré, je le dirai même dans l'épisode de Callisto Protocol. Bonne année 2023, meilleurs vœux. J'espère que tous vos projets se réaliseront et surtout que votre santé ça ira, que vos proches ça ira. Bref, je vous souhaite à tous évidemment le bonheur et j'espère que tout se passera bien pour vous et nous. C'est parti, installez-vous confortablement. On va passer une bonne demi-heure ensemble. Let's go. Un instant! J'ai quelque chose pour toi. Sindri! J'arrive! Avant que tu repartes te balader au point du jour, j'ai pensé que t'aimerais retrouver ceci. Oh, pas la peine de laisser exploser ta joie. Enfin, de rien. J'ai ce dont nous avons besoin pour trouver les Nornes. On y va? Les amis, bouclier de niveau 4, j'en avais déjà un de niveau 4. Et là, par contre, il a un pouvoir unique, il est encore mieux, what the fuck. Alors attendez, appuyez deux fois sur L1 pour donner un coup de bouclier et repousser vos adversaires. Pour utiliser rapidement la levée de bouclier, blisez la garde de votre adversaire. Oh, mais là, lui, il a des pouvoirs uniques, je suis désolé, il est beaucoup mieux. Hein. Lui, il est beaucoup mieux et beaucoup plus stylé, hein. Bas les couilles. Hein. Niveau compétence, on en est où? Niveau compétence, on a de l'XP. Qu'est-ce que c'est? Bougez pas. Qu'est-ce que c'est? Ah. Dégâts, on peut? Ah ouais. Bah oui, monsieur. Ok. Et là, c'est Freya. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. Ok. Et Freya, elle est full. Incroyable. On est très bien. Madame Nithog, où êtes-vous passée ? Nithog ? Je crois que nous allons devoir assumer certaines conséquences. Ah ? Écureuil. Ah, mon bon Kratos, pardonne-moi. La disparition de Madame Nithog me préoccupe énormément. Est-elle une amie à toi ? Ce n'est pas une amie, plutôt une vieille occupante de l'arbre. Elle était même là avant que j'arrive. Et ça ne date pas d'hier. L'idée même qu'elle pourrait être retenue loin de ses petits. Affreux. C'est affreux. Ok. Et donc? Sûrement une quête, je ne sais pas. C'était très bizarre. Alors, direction les Nornes. Biba biba boum, c'est par où? C'est par ici, un mot du destin. Midgar, évidemment. Let's go. Je sais pas encore ce qui nous attend, mais j'espère de bien belles choses. Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus à Midgard? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé trace de lui. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces Nornes. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissés près du lac gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin une mission difficile. Ça nous changera. Ah! Ok. Prenons ton traîneau et rejoignons le lac. Ah! Ok. Retrouvez les loups du chenil. Ce vent glacial et ces attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Ça, c'est parce qu'il croit Kratos responsable de Fimbulwetter et pense que sa mort y mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille? De moi, bien sûr. Au pied. Bien sûr. Ok. On a retrouvé les louves. Silence! C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les loups auront trouvé la piste des Nornes, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Ok, donc je suppose que c'est ce portail. Assez de gémissement. Leur fourrure est emmêlée. Il y a longtemps que tu les as brossés. Une fourrure emmêlée attire les maladies. Prends soin d'elles et elles prendront soin de toi. Mon frère,
Que comptes-tu demander au Norn, exactement ? Comment retrouver mon fils ? Rien que moi. Ne vois-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie ? D'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas ? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort ? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Les géants et Fey avaient prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer, qui nous allions combattre. Tout s'est déroulé comme ils l'avaient prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur à venir. Je vois. Je n'aurais pas cru que tu craindrais la mort. Là n'est pas le problème, n'est-ce pas ? Non. La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Fey t'a mis sur cette voie et a veillé à ce que tu découvres la fresque. Et tu ne sais toujours pas pourquoi. Je ne souhaite plus en parler. Région découverte, le lac des Neufs. Très très bien. Eh ben écoute, maintenant qu'on a rejoint le lac, comment trouve-t-on les Nornes ? Observe les loups. Leur tête indique la direction à suivre. Ok. Le lac des Neufs a clairement connu des jours meilleurs. Les maraudeurs ont certainement pris leur temps. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat aussi grand. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. Ah. Comment le sais-tu ? Quelque chose à gauche. Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Ouais, c'est ça. Elle pensait que nous pourrions nous allier. Bien avant, je l'ai. Ah non, non, non. Non, ça je connais, c'est les problèmes. Une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme Sigrun n'a pas manqué de me le rappeler. J'aurais dû me douter que c'était Sigrun qui t'aidait à te rétablir. Elle est si loyale, et sage, et brillante, et grande. Une autre fois. Garde ça pour plus tard. Je crois qu'un combat se porte. Ça c'est nouveau, ça vient de sortir ça. Oh, j'ai le seul. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Oh non. J'ai pas le choix. Je vais lui mettre des patates. Je vais mourir les amis. Oh là là. C'est mon chat monstre. C'était ça son nom. Je n'arrive pas à me rappeler lequel des dieux l'avait mise dans cet état. Aucune importance. Vraiment ? Si la rage est tout ce qui lui reste, ses raisons sont hors de propos. Étincelle du chaos, amélioration d'armes, vestiges, flammes obtenues en 6 pour rendre sa forme initiale. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Une petite flamme du chaos, les gars, qu'on a trouvé. J'arrive, les gars, je vous en supplie, les dogs. À t'entendre parler de Sigrun. Nul besoin d'être une déesse de l'amour pour comprendre où tu veux en venir. Ce fil du destin que nous suivons. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, si c'est ta question. Ah. Les Nornes s'en servent pour se repérer lorsqu'elles sortent. Les Nornes vivent dans un puits. Non. Le puits d'Urs, où elle réside, est difficile à expliquer. Pas mal. Ok, les amis, on a une nouvelle phase d'open world, c'est très intéressant. Même si ça fait peur, va falloir que j'aille en arrière alors, pour tout fouiller sur moi. Le problème, c'est que les loups, ils s'arrêtent jamais, alors ça, c'est mon déconseil.
Oh putain, je m'en souviens. Oh, c'est fou, vous vous en souvenez? Bah oui, mais le lac. Oh, le lac des neufs. Ok. Ok, ça s'est fait. Oh putain. Hop, ça c'est fait pour la rage, c'est bon. Ah, toi tu m'énerves. Tu brûles, crapaud. Oh ça passera. Oh là là. Ok. Ok, très bien. Et le last. Il y a un bail derrière. Il est venu d'où le mal? Ok, ça va, il a pas l'air trop relou. Ok, ça va, il avait l'air moins relou que ce que je pensais. Putain, mais c'est un peu infini ou quoi, frérot? Oui. Attention à droite. Ok. Désolé, tu prends ta part, mais c'est pas grave. T'es immortel. Allez, ça dégage. Ok, let's go. Allez, viens, on trace, bibiche. Pas trop ce qui nous attend par là-haut. Je pense que tu vas récupérer ça. Et on va prendre un peu les lames du chaos, histoire de check. Forcément quelque chose de fou là-dedans, non? Oui, oui, il y a forcément quelque chose de fou. Ok. Beaucoup d'argent pour les braves. De la vie aussi pour les braves. Beaucoup d'argent encore. Ok. Souvenez-vous, c'était là, me semble-t-il, où il y avait le serpent monde. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Je rappelle le bon vieux temps. Mmh. Oh, nous passions toujours par ce temple pour voyager. On discutait avec Brock, puis on repartait à l'aventure. Ça te manque? Oui. À l'époque, tout semblait plus simple. C'est vrai. Ok. Pourquoi tu me fixes? Il n'arrivera rien, tu sais. Je n'en sais rien. Il fait ce qu'il a à faire. Il est en danger. Ah, parce qu'avec toi, il était en sécurité, peut-être. Il a jamais failli mourir? Même pas une fois? Je ne viens pas pour me faire sermonner. Je sais. C'est en bonus. Nouveau programme de fidélité. Ce sujet est maintenant clos. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il a à vendre, le man, on sait jamais. Ressources, ça j'ai déjà. Accessoires, ok, c'est fabricable. Enchantement, tout ça, c'est fabricable. Bon, en vrai, vous savez quoi? Eh, ça coûte que 1000 d'argent. On s'en bat les couilles. Voilà, on va se les faire. Comme ça, si on peut avoir... Si on peut avoir un petit... Un petit combo du même enchantement, ça peut être très très cool. Ok. Ouais, mais là, les gars, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Ok. Beaucoup trop de choses, mais rien d'intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Oui! Oh là là! C'est ici qu'on choisissait notre direction. La salle de passage entre les royaumes. Ouais. Elle a connu des jours meilleurs. Comme nous tous. Kratos, te souviens-tu quand je vous ai mené ici pour la première fois, Atreus et toi? Cela me paraît si lointain. Je me souviens. C'est grâce à ton aide que nous avons pu exaucer le dernier vœu de Faye. Et à la tienne, Mimir. Ok. On se casse.
c'était le petit côté un peu nostalgie. Hein. Vous l'aurez compris. Rien d'autre à faire ici, je pense. Yeah. Ah mais souvenez-vous, ici on naviguait, je sais pas si vous vous souvenez, ici on naviguait en bateau, hein. À la base, hein, il faisait parfaitement beau. Hein. Mon combat avec Thor s'est achevé là. Tu as atterri ici. Ça explique les morceaux de la statue de Tyr éparpillés sur le lac. Ah. On va récupérer ça. Attends, je l'avais pas récupéré ? Ok. Oh, 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 oh. Il y a du feu. Là, on a quelque chose. On a des sortes de Valkyries, putain. Les loups vont flairer une odeur. Oui, je sais, mais... Il y a beaucoup de choses intéressantes partout. Comme je le disais, les Nornes résident en un lieu appelé le Puits d'Urs. Ce n'est pas un lieu fixe. Ses accès vont... Oh là, le chat, je ne sais pas ce qui va se passer. Allons voir par là. J'ai peur. Les rameurs. Oh. Un hommage... Ok, le rivage des neufs. Ils construisaient de beaux bateaux, cela dit. Ok. Oh, les gars, on était passés par ici avec... avec Atrétré. Oh oui! Regardez là où il y a une porte. Là, on a quelque chose. Non, mais on peut pas se battre ici, c'est pas possible. On peut pas se battre ici, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup trop. Quoi ? Ok, il y a peut-être un monde où... Oh non, je m'en fous, je l'essaye. Je veux l'essayer les gars. Je veux l'essayer, j'y crois. Ok, un au moins. Ok. Il y a peut-être un monde où on le fait, les amis. Oh la vache. Ok, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est faisable, les gars. De fou. Par contre, putain, le nombre d'esquives qu'il faut taffer. Oh. Allez, go. Je m'en bats les couilles. Il est par ici. Okay. Putain. Non, ça, c'est tellement... Ok. Pourquoi j'avais pas le droit d'heal tout à l'heure, c'est injuste. Non. Non. Oh non. Ok, on va réutiliser la pierre, c'est reparti. C'est dur, hein, c'est dur. Ok, j'ai compris en fait. Oh.
là, mais c'est pas vrai! Je le veux, je le veux, je le veux, ce boss! Allez, c'est bon. Allez, let's go. Le chat. Let's go. En plus, c'était même pas une Valkyrie, hein, c'était rien. Il y a encore un bail là-dedans, hein. Oh là là. C'est quoi? Ah non, c'est la récompense. Ouh, poussière des royaumes et bois de pierre. Let's go, on peut continuer les gars, on a eu très très chaud. On l'a recommencé qu'une fois pour notre défense, mais on a dû les deux fois utiliser notre pierre malheureusement de Réa, donc là on en a plus. On ira en chercher d'autres un petit peu plus tard, en espérant pas tomber évidemment. Entre temps, sous les coups de la mort. Ok. Un accès mystique a été ajouté à la carte. Bah, merci à toi pour cet aspect mystique. Qui est juste ici d'ailleurs, by the way. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais ça les gars... Ça c'est un boss ça? Poussière des royaumes et bois de pierre. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les amis? C'est incroyable. Ah non, Miskin, pourquoi je l'ai tué? Oh, il y avait des trucs de fou. Mais what the fuck? Oh, je sais pas où on s'aventure. Ok. Superbe. Et où on est? Oh, les chiens font que d'aboyer, c'est terrible. Mais où on va depuis tout à l'heure? Mais c'est ouf. Ok, tout ça, ça a été pris. Je suppose by Atreus. Là, il y a forcément un truc de l'autre côté, non? Oh là là, il y a... En plus, dans mes souvenirs, le lac était gigantesque. Il doit y avoir tellement de choses à récupérer. Ok. On va voir. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Je ne peux pas le croire, Mimir. Ce cimier est celui de Fjotorlund. Fjotorlund, tu dis? Mais c'est là qu'est né Sigrun. Ok. Derrière toi, attention! Oh là là! Là. Ok. Oh là là, je me prends des vraies claques. Wow, 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 wow. Ok, là on commence à mourir, ça me plaît. Là, ça me plaît, le chat. Ah, on commence l'année 2023 avec du challenge, j'aime bien. J'aime bien. Allez, go, bibiche. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'était quelqu'un. Ok, il y a des bails partout. Sur ta gauche. Là. Ok. Normalement, lui, ça devrait être de la cacaillerie. Ça dégage. L'avant-poste est donc un vestige de Fjotorlund. Sigrun a grandi parmi ses gens avant de rejoindre les Valkyries. Ok.
Les amis, je pense que ça va swinguer par ici. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? On a un truc ici. Ok. De l'autre côté, on dirait un escalier. De l'autre côté, effectivement, on a un escalier. Donc, un, deux cloches. Ok, ça on casse, ça on récupère. Là, on a combien là? Deux cloches. Et là, il n'y a pas un bail en haut? 10 contre 1, il y a un bail en haut, les potes. Non? Non. Par contre, on peut monter. Alors, attendez. Un. Deux. Où est le last? Il est là. Attends. Oh, le salaud. Il est sûrement derrière. Super. Ok, bougez pas. Ah, il est là, ouais. Il est bien derrière. Il faut donc aller de l'autre côté. Un autre moyen de passer. Ok, ok. Les amis, il y a du très très lourd à récupérer dans Slack. Ce qui fait de la quête secondaire. Et ça me plaît. On va essayer de le récupérer en cassant de l'autre côté. Alors. Wesh. C'est qui toi? Wesh, je me fais petit. T'es trop fou dans ta mère à toi. Tête de centaure là, Minotaure, je pense que t'es. Ah, les problèmes. Ok, il est temps de récupérer de la vie. Ok, c'est pas beaucoup, mais enfin. C'est mieux que rien. Mais c'est pas vrai! Terre! Allez, go! Je vais t'éclater la gueule! Voilà! Tu sais, mon frère, Sigrun m'a parlé du grand trésor de son royaume renfermant le butin des conquêtes de sa famille. Peut-être que cet avant-poste en abrite une partie. Ne t'a-t-elle rien dit d'autre, Mimir? T'a-t-elle dit où? Non, seulement que le trésor était caché. Ok, il y a un trésor caché. Mais attendez, il n'y a rien qui va là. Il y a des trucs un peu partout. Ça, c'est fort problématique. Ça m'embête beaucoup, là. Ok. Et là, il y a un bail aussi. Qu'est-ce que c'est? Il y a une quête secondaire. Ok. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. Non, mais là, le problème, c'est que... Attendez, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Voilà, l'autre escalier. Ok. Ok, let's go. C'est bon. Esquive! Pas trop le choix que de faire ça.
Super, bah, dégagé. Bon, on va lire ça, ça fait de l'XP. Quoi? Non, elle n'a jamais parlé de... Ok. On va prendre ce coffre, il y a de la beauté là-dedans, les gars. Voilà, mon gars. Un morceau de l'amulette brisée permet d'augmenter le nombre d'enchantements que l'amulette peut accueillir. Et là... Est-ce une clé? Évidemment. Je me demande quel verrou ouvre cette clé. Aucun. Elle est brisée. Pas brisée. Seul déhanté, c'est tout. Nous trouverons peut-être sa moitié. Alors, R... 2... 3... Go. Là. Putain, mais c'est pas vrai. Putain, mais c'est pas vrai. Tu crois? Ok. Fouh, c'était pas facile, les amis, mais on l'a fait! Comment bien finir une vidéo en beauté, je vous le dis. C'est comme ça avec une belle pomme. Évidemment. Allez, 2 sur 4. Ça régale. Les amis, il est temps pour nous, je pense, de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve sur le lac des Neufs, encore une fois. À tout à l'heure, tout le monde. Bye bye, à bientôt.